L'accident s'est produit durant la nuit, vers 22h, heure locale. Les pompiers et les secouristes sont toujours à pied d'œuvre à Mexico. C'est une véritable course contre la montre qui est engagée pour désincarcérer les passagers d'une rame bondée de métro tombée sur une avenue en contrebas après l'effondrement d'un pont du métro aérien. L'accident s'est produit près de la station Olivos sur la ligne 12, au sud de la capitale mexicaine. Près de 70 ambulances ont été dépêchées sur place pour évacuer les blessés pris au piège de gravats, de câbles et de morceaux de métal tordus. Le bilan toujours provisoire fait état d'au moins 13 morts et 70 blessés, un bilan qui risque de s'alourdir dans les prochaines heures.